kiné. Ça dure pas longtemps ici les kinés. Je sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis dehors. Je viens de poster la première vidéo. Je pense qu'elle est postée, il y a quelques bugs, mais j'ai la flemme de remonter la vidéo et de la retélécharger. Donc ça va être comme ça. Je vais passer au centre commercial. Ah oui, je vais peut-être vous montrer comment c'est. Je vais d'abord aller acheter un truc. Je sais pas quoi encore. Sûrement la ciboulette au supermarché. Parce que je vais faire sauter des aubergines pour manger. Et voilà. Du coup, je vais vous montrer l'intérieur. J'étais en festival, mais j'ai regardé les cafés. Ah oui, il fallait que j'achète ça. Faut que je prenne du sirop pour le café, mais je voulais noisette. Ils ont pas noisette. Ah, quoique hazelnut flavor. Ah, tu vois que... ah, c'est du lait. Ce n'est pas ce que je cherche. En fait, j'ai acheté une machine de chez Gusto en pensant que le café allait être moins cher, mais il est à 9. Alors que les machines expresso, 7,50. Donc j'ai un peu le seum. Mais celui-là, il est pas mal. Je vais peut-être prendre un expresso, comme ça je vais mélanger avec du lait. Je pense. Il y en a 12 et dedans il y en a 16 de capsules pour 9. Vu qu'il n'y a pas le sirop que je veux, je vais aller chercher dans les sirops genre type jus de fruits. Ici ils appellent ça du cordio, ils appellent pas ça du sirop. Et c'est bizarre, c'est pas comme les trucs en France. Je sais même pas où est-ce que c'est. Je n'ai pas de déclaration de rêve. On n'a pas tant que ça. Je cherche aussi un entonnoir. Je vais l'acheter dans le bazar. Elle est super petite. Je vais trouver ici. Vous voyez, ça s'appelle Angio et ça s'appelle pas sirop. Quoi que là, c'est là. Enfin bref, il n'y a pas de goût. Franchement, les rayons ici sont éclatés. Regarde. Il n'y a que ça en boisson. C'est bien dans les rayons frais. Genre là encore, ça va, mais. Très triste, très triste. Je viens de trouver ça. 4,50 au lieu de 5,90. C'est hyper cher. Et il y a genre 50 grammes. Je sais pas si on teste avec mon copain. On va tester. Et en fait, ici, il n'y a pas de saucisson. Il y a des. Dégueulasse. C'est comme les Bifi. Et c'est genre 1$ au lieu de 1,70. Bah, franchement, c'est vraiment pas ouf. Enfin. C'est mangeable, mais c'est pas bon. Oh, zone. Beef jerky. Il y a 0,5 étoiles. Ça me termine. Enfin bref. J'ai fini d'acheter les courses à Woolworths. Là, je vais aller. Au marché de légumes pour acheter une aubergine et de la ciboulette. Attends.
J'attends mon Uber, j'ai fini mes courses, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait. Je rentrais, j'ai cuisiné aubergine avec du bœuf et en fait, je vais manger ça avec des pâtes parce que j'ai pas de riz. J'ai la flemme de cuire le riz il est pas bon, ce que j'ai acheté est pas bon. Du coup voilà, j'attends le Uber, il arrive dans 2 minutes. On se retrouve à la maison. Et d'ailleurs, il fait chaud maintenant. Tout à l'heure, il faisait un peu frais. Là, il fait chaud. Le ciel commence à pas se dégager, mais il fait chaud. Je suis rentrée à la maison. La maman et le papa ne sont pas encore rentrés. Ils sont partis faire les courses, je pense. Je vais cuisiner. J'ai mes aubergines, mon bœuf et tout. Donc j'ai cuisiné. Le truc c'est que mon téléphone n'a plus de batterie. Du coup je pourrais pas filmer. Ça va bien. Donc je sais pas si je vous garde un peu le temps que je range les courses. Et on se retrouve plus tard. Non, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vais faire un haul. Je sais pas, il y a une porte qui claque depuis tout à l'heure, je sais pas d'où elle est. Bref. J'ai acheté un sirop caramel qu'on a terminé. J'ai acheté. Parce que je l'ai mis au frigo. Ça, je vais tellement utiliser. Yam, yam, yam. J'ai faim. Monster normal et Monster zéro sucre à la pomme. Parce que c'est le préféré de Sam. J'ai acheté 2 aubergines, j'ai acheté des concombres libanais, c'est des mini concombres hyper croquants. J'ai acheté un set de 3 entonnoirs parce que on en a toujours besoin. Genre moi pour remplir mes bouteilles de Neukmam et tout, j'en ai besoin, on n'en a pas. Donc je vais laver ça, il y a 3 tailles. Parfait. Ensuite, j'ai acheté un pré-citron pareil pour faire ma sauce Neukmam. Comme ça, j'ai pas à presser avec mes mains. Ensuite j'ai acheté les muffins à la framboise et au chocolat blanc. Délicieux. Je vais mettre ça sur la table. Ensuite j'ai acheté du bœuf haché comme ça que je vais mélanger avec les aubergines. J'ai acheté du chicken powder. C'est par là ou c'est en granulé, je sais pas. Je vais regarder. Non, c'est en poudre. C'est pour faire la cuisine. Je vais ajouter ça à tous mes plats. Ça réanime tout. J'ai acheté des longanes au sirop. Trop bon. En plus, c'est une marque que j'achète en France. Celle-là. Attends frère, donc jus coco et enfin, ah non pas enfin, j'ai acheté une passoire comme ça parce que je fais souvent des fritures genre de donuts et c'est pour filtrer l'huile avec un filet très très fin. Et enfin 2 boîtes de café en sachet pour Sam parce que il les amène au travail. Donc voilà. C'est tout pour mon haul. Il y a toujours une porte qui claque. Je pense que c'est dans la chambre. Ah, non, non, non.
J'ai failli oublier ça à goûter avec petit Sam Sam. Je vais cuisiner, je sais pas si je vous garde parce que comme je vous ai dit, j'ai plus de batterie. Donc on se retrouve après quand je vais manger. Désolée, à toutes. J'ai fini de manger. Je sais que c'était pas très appétissant, mais c'était délicieux. Du coup là, je vais travailler. Les parents sont rentrés. Donc, du coup, ils sont en train de faire la cuisine. Moi, je vais bosser parce que j'ai un truc à faire assez urgemment pour l'entreprise sur laquelle je bosse. Donc, je vais faire ça et je bois Monster. Parce que j'ai pas pris de café ce matin. C'est pas bien, je sais, c'est plein de sucre. En plus, j'ai pas pris un sans sucre parce que les sans sucre, ils sont sucrés bizarrement. Donc voilà, je vais mettre au travail. On se retrouve après. Je vais sûrement aller au centre commercial après. Donc je vous capte après. Bye. Ouais. On est en train d'acheter des chaussures pour sa maman et moi. Du coup, on est sorti de la maison hyper tard. On est sorti de la maison, il était genre 16h10 et comme je vous l'ai dit, les trucs ferment genre à 17h. Donc on a dû se dépêcher, j'ai pas pu aller poster ce que je devais poster parce qu'il y avait une queue énorme devant la poste. Donc j'en ai dépensé 150 balles dans des Adidas NMD parce que j'ai toujours voulu en acheter et elles sont hyper chères. Et là, ils étaient genre à moins de 100 €. Donc, je vais vous montrer à la maison à quoi elle ressemble. Mais. Ouais, voilà. Et du coup, là, on est à Kmart. Parce que. Qu'est-ce que je voulais acheter? Oh, Look for the Pen for Jasmine. Y a la petite soeur de Sam qui, bah, du coup, finit l'école vendredi. Parce qu'il déménage. Et elle veut un feutre blanc pour que ses amis signent son t-shirt. Du coup, on va chercher un stylo, un feutre blanc. Et je vais sûrement voir dans la section cuisine encore ou maison pour acheter quelques trucs parce que je vis que pour ça. Oh, je vais prendre des serviettes aussi. Il y a des sous-vêtements Monopoly, des sous-vêtements Doritos. Ça me termine. C'est hyper drôle. C'est même pas des jeux, c'est juste des caleçons en fait. Sorry, bye. Just go. I'm gonna get to you. What you buy? Are you gonna be like this on internet? Seriously? On n'a pas trouvé le feutre, mais j'ai acheté plein de verres. Parce que j'aime bien que mes verres à café soient transparents. Du coup, j'ai acheté des verres à double verre là. Et du coup, j'ai acheté pour 41 $. Un maquillon. Merci. On est à Kohl's, un deuxième supermarché. Qui est comme l'autre mais un peu différent. Je crois que je vais prendre des murs parce que je crois que j'ai jamais goûté les murs. Je suis toujours attirée par les étiquettes jaunes. Oh, c'est pas une affaire. C'est pas une affaire. On est à la recherche du stylo. Du stylo blanc. Et oui, du coup, c'est 3 $, je vais goûter.
Je pense qu'il n'y a pas. Maybe I can look on Amazon. Why would you? Regardez ce qu'on a trouvé. C'est de l'eau de coco à la pastèque et à la menthe et au chocolat. Genre trop bizarre. Mais on va tester à la maison. Et j'ai pris ma glace préférée. Et ça coûte pas cher. Et c'est vraiment genre trop trop bon. Donc voilà. Ça la dernière fois c'était en promo, c'était 2,50€ la bouteille. Genre c'était tellement pas cher. Et maintenant c'est revenu à 5€. Donc tristesse. Wait babe, I wanna look for syrup for coffee, but not only caramel. No, because I usually they have it here too, you know. Look, mix espresso. No, that's for alcohol. That looks very fancy. I want to make like beautiful cocktails, but I don't drink alcohol. Regardons les fromages. Regarde comment c'est cher. Ouh, c'est trop cute. This is nice vibes. Dans cette de charcuterie, il n'y a pas de saucisson. That is so sad. Pies? Quiche Lorraine? Ça, il mangeait que de la quiche Lorraine en France parce que ça lui rappelait les meat pies. Donc il mangeait que ça. C'est ça le truc. This is French here. It's nougat. Have you had nougat before? No. What? It's so good. No, it's not. It is. It's chewy and it melts in your mouth. If I liked freaking oat milk, I would have got this. It looks so pretty. But I don't like oat milk. In my coffees. Can I have oat milk? Do you like oat milk? No, I shouldn't drink it now. What do you mean? Oat milk. You're alright. Oh my god, this is so cute. Is it even nice? Huh? Is it even nice? No. Chocolate. Have you tried those? No. Why do you want to try it? Find yet then. Oh, yes, c'est chocolate. I thought it was coffee. Salted caramel. What is this? Vanilla? Coffee. Caramel coffee. I think it's vanilla. They only have vanilla and caramel. And la dernière bouteille qui est au fond. Yeah. Do you want vanilla or not? Just caramel and hazelnut? Okay, okay. We're done? Huh? We're done? Yes, let's go. Bye. On a terminé les courses. J'ai goûté, comment on appelle ça, des mûres. Et elles sont énormes. Et c'était acide. Et pas tout. D'habitude, je ne mange pas mes fruits. En sortant du supermarché, en général, je les lave. Mais là, je voulais goûter. Et j'avais soif. Et franchement, 3 sur 10. Non. 5 sur 10. C'est pas... Ça m'a pas transcendé. Donc, on va rentrer et on va faire un test of the coconut water. And the chocolate oat milk. Ok, on vous retrouve à la maison. Il fait super beau. Nice weather. It's hot. Et lui il porte son sweatshirt et son beanie.
Sounds all right. Finalement, bro. Finalement, on va try les boissons dans la voiture parce que il a soif. We want to try first. Whatever. I want to try this. It's weird. No, the coconut chocolate. It is the weirdest thing. You ready? Mm. Let me put the ice cream down. Ooh. Drink it. No, you drink it first. Why? Because I'm scared. Are you sure? Not sure. Let me try. Is it nice? Is it sweet? Mmm. Mmm. Just tastes like chocolate milk. Mmm. Mmm. How much calories are in there? A lot. I don't think so. Yeah. Because it's like, if it's coconut water, it's supposed to be healthy. Yeah, it's a lot of calories. Oh, there's a lot of sugar. No, 36 calories, it's alright. Per serving, 89 calories. Okay, not bad. So we drank in here. Okay, you want to try watermelon mint? No. Why not? I know you only like sweet stuff. C'est un gourmand. Moi, j'ai essayé le pastèque. Ooh, 5 key electrolytes. Do you have electrolytes? Yes, low fat, dairy free. See, there's no milk. On retourne à Aldi pour acheter de l'eau. Bref, let's try this one first, can we? Okay. Ooh, it smells like it's rotten. Yuck. Mmm. Mmm. So weird. Does it smell like it's gone bad? Yeah. Weird. Maybe cold with ice cube with ice might be better, huh? No. Pas bon. Pas ouf. Not nice at all. You wanna try your chocolate? Oh no. Yeah, try it. I don't know. Maybe. No dairy, no soy, no whatever. So cute. Oh my gosh, is it freaking melting on me? Yes, because it's in the sun. Okay. No cow, babe, there's no cow in this. Oh! Try it. I do not like vegetal milk. Ouais. J'aime pas le lait végétal. Il n'y a pas le goût du lait. Mm. It's like. It's weedy. You know what I mean? Like nutty. Like nut cow. Yeah. You like it? It's nice. Very nice. Nah. I like cow milk better, even though it makes me fart. je préfère le lait normal. My gosh, les glaces elles vont fondre. What? The ice cream's gonna melt so bad. Yeah. No shit.
She wants small water bottles. Huh? That guy's listening to you. To what? To you. Forget it, that's never gonna say. Unless you wanna use blue tech. Ooh, you smart. Huh? You smart. Right. Bon, je vous retrouve à la maison parce qu'il fait chaud. Et on va juste aller acheter de l'eau. Bye. See ya. Bye. Ouais, je suis à la maison. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Petit haul rapidos. J'ai acheté des... Re les amis. Je me suis fait un café, il est fabuleux. Je voulais vous partager comment je l'ai fait, genre... je sais c'est quel café. Mais il est incroyable. Alors, j'ai mis un fond de sirop noisette. Le sirop noisette, il est trop bon. Ensuite, j'ai rajouté ça de café au lait de ma machine. Et ensuite, j'ai rajouté du lait d'avoine chocolat. Et ensuite, j'ai rajouté un peu de lait genre normal et crémé. Bro. Ouais, on dirait un... le Starbucks, le toffee nut latte Starbucks. Incroyable, 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 incroyable. Je vais terminer le vlog. Parce que la vidéo, j'étais en train de monter la vidéo, elle dure presque 40 minutes. Je termine de bosser et avec Elona, on va regarder Love is Blind 3 sur partie télépartie. Et du coup, je vais finir la soirée comme ça. Il y a des invités à la maison. Il y a les amis de la maman de Sam qui dînent à la maison. Il y a Sam qui regarde Good Girls. Je vous retrouve demain. Demain, c'est mercredi. Je crois que demain, il faut que j'aille poster les colis que je devais poster aujourd'hui, mais qu'au final, je n'ai pas posté. Donc, on verra bien. Hein. Je vais peut-être faire du contenu demain. Au pire, ce sera encore une journée en mode à la maison avec Sylvie, quoi. Say bye, babe. See you tomorrow. Say see you tomorrow. Peace. Peace.